Ishabatu Nyong'bo Tchore était élu Miss Togo 2018. La soirée de son élection aura duré près de 4 heures, mais au bout du suspense, la jeune étudiante en troisième année de droit a ravi la couronne pour les 12 prochains mois. À 22 ans, la 25e Miss Togo succède à Cornelia Dedevi Adomaikbo. Le choix de la Miss a porté sur trois critères. Il s'agit de l'autoprésentation, la beauté qui représente le côté plastique du concours et la tenue traditionnelle. Sur l'autoprésentation, on a tenu compte de quoi ? De l'élocution et de l'intelligence de la candidate. La beauté ne se trouve que dans le regard de tout le monde. Donc, c'est subjectif. Donc, chacun a noté à son âme et conscience celle qui était belle en cette soirée. Et s'agissant du troisième critère, c'est-à-dire que le côté traditionnel de la chose, on a vu que celles qui ont porté une tenue adéquate, qui ont bien dansé, on a tenu compte de tous ces critères-là pour pouvoir monter. C'est dans ce lot-là que bon, la meilleure est sortie. C'est celle qui a aujourd'hui la couronne de Miss Togo, l'ambassadrice du Togo aujourd'hui. Elles étaient au total 22 candidates en lice, mais à l'issue du verdict des jurys et du vote du public, 5 ont été retenues, dont l'une a été sacrée la plus belle fille du Togo. Pour le jury, ce sont 15%. Pour la salle, les autres, c'est 25%. Donc, il faut aussi tenir compte du fait qu'à l'extérieur, les gens ont voté pour dire que celle-là pouvait représenter donc le Togo valablement. Le concours national Miss Togo, instauré depuis 1995, couronne la plus belle fille du Togo qui, durant un an, va travailler sur des projets sociaux communautaires tout en étant capable de représenter valablement le pays à l'étranger.